Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour voir où récupérer le talisman de l'amalgame sculpté qui augmente la puissance des sorcelleries ainsi que le sort comète qui est là, voilà, sur une grande comète magique. Alors je peux pas vous le montrer, hein, j'ai pas les 52 d'intelligence pour l'équiper. Alors pour ça je me suis rendu à la salle de classe de l'école dans l'académie de Lurnia. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo pour vous repérer sur la carte. Voilà. Et donc à partir de là, on va prendre l'escalier et monter. Donc moi j'ai tué tous les ennemis. Hein. Et on va aller à droite. On monte l'escalier. Là il y a tout un tas d'ennemis. Vous les évitez, vous montez à droite. Encore à droite. Et ici, vous tapez l'armoire. Et ça va vous offrir un passage dérobé. Il y a des messages normalement qui vous disent passage dérobé droit devant. Donc hop, là il y a un passage secret qui va apparaître. Et ici vous récupérez le sort comète dans ce coffre. Et il y a une clé lame de pierre juste derrière. Ensuite vous montez l'échelle qui est juste à côté. Et vous allez au fond tout simplement. Et vous sautez par-dessus la rambarde là, et vous vous laissez tomber. Et juste là, il y a un tunnel, enfin vous vous laissez tomber encore. Et vous atterrissez dans une grande pièce avec plein de petits pots là. Ennemi droit devant, ok. Et là, il y a une montagne de cristal droit devant vous. Et il va y avoir le talisman juste ici. Donc le talisman de l'amalgame sculpté. Et pour finir, voilà, à droite... Il y a une porte, vous l'ouvrez et ça vous redirige vers la salle où il y a tous les ennemis là. C'est un petit raccourci. Voilà. Et bah écoutez, si la vidéo vous a aidé, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Et n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.